Afin de profiter au maximum de votre course, il s'impose de bien vous échauffer. Pour cela, rien ne sert de vous étirer, il faut plutôt activer vos articulations, vos muscles et votre système cardiovasculaire. Occupez-vous de vos articulations qui sont très sollicitées lors de la course. Vous pouvez donc commencer par gratter les articulations de votre pied, de votre cheville, de votre genou et de votre hanche. Pour terminer avec l'articulation sacro-iliaque dans le bas du dos. Répétez pour l'autre jambe, tout en étant en équilibre sur une jambe, cela va vraiment activer vos mécanismes d'équilibre. Voilà. Tapotez maintenant les différents os sollicités lors de la course, à commencer par les 28 petits os contenus dans le pied, puis le tibia, puis la fibula sur le côté, la rotule, et en appuyant plus fermement le fémur. Une fois vos jambes bien activées, vous pouvez faire des rebonds afin de stimuler les mécanismes de ressort qui sont très importants lors de la course à pied. Faites ensuite des rebonds sur une jambe afin de stimuler encore plus vos mécanismes d'équilibre pendant une quinzaine de secondes pour chacune des deux jambes. Faites ensuite des balancements latéraux pour activer votre stabilité latérale très importante lors de la course à pied. Une dizaine de mouvements de chaque côté. Ensuite, déliez votre thorax afin d'avoir les épaules bien détendues et une bonne respiration lors de la course à pied en faisant des rotations alternatives des épaules, 10 fois de chaque côté. Puis, faites des balancements alternatifs des bras afin de bien préparer vos bras à faire un mouvement de balancier. Les bras très détendus. Vous êtes maintenant prêt à faire des exercices techniques qui vont vous permettre de faire une transition vers la course à pied. Commencez par courir en levant les genoux bien haut, en activant bien vos muscles abdominaux. Ensuite, courez en amenant les talons vers les fesses, en faisant un mouvement bien dynamique. Passez ensuite au pas chassé-croisé, en cherchant à laisser tourner de façon fluide votre thorax sur votre bassin. Terminez en faisant des pas ultra rapides, comme si vous étiez sur des charbons ardents, afin d'activer au maximum vos pieds. Il ne vous reste qu'à commencer à courir, alors commencez bien lentement et augmentez la vitesse progressivement afin de permettre à votre corps de s'adapter à l'effort. Là-dessus, je vous souhaite une bonne course! Thank you.